Le 7 décembre dernier se tenait au Palais des Ducs de Bourgogne le forum « L'hôpital, vous et vos droits tous concernés » organisé par le CHU de Dijon et fêtant les 10 ans de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Le but était simple, informer au mieux la population sur ses droits. La Maison des usagers, c'est un espace qui est ouvert à tous les visiteurs de l'hôpital, c'est-à-dire les gens hospitalisés, mais aussi la famille, les amis qui viennent rendre visite aux gens hospitalisés, de façon à venir prendre des renseignements sur des pathologies spécifiques, puisque les associations qui font les permanences sont de toute origine, toutes pathologies confondues. Elles ont chacun une permanence dans le courant de la semaine. Et on est aussi là pour entendre les observations que peuvent avoir les usagers de l'établissement, que nous faisons remonter, nous, après, dans la commission de relations avec l'usager qui siège effectivement au sein de l'établissement. Donc, s'il y a des reproches, nous, de notre côté, on peut prendre note et, en fait, faire remonter cette information de façon à ce que les choses soient améliorées ou soient réglées, quoi, s'il y a vraiment une difficulté quelque part. La loi de 2002 a permis de nombreuses avancées en termes de droits des patients. Le droit d'accès au dossier médical, le droit de faire des directives anticipées de fin de vie ou encore le droit de désigner une personne de confiance en cas d'hospitalisation en font notamment partie, mais il en existe bien d'autres. Depuis 2002, la loi exige qu'il y ait deux représentants d'usagers dans les commissions de relations avec les usagers dans les établissements publics ou privés, peu importe, les établissements de santé. C'est la loi qui l'exige, donc deux représentants d'usagers qui sont issus d'associations de patients, donc qui sont totalement indépendants et qui sont là pour faire remonter les anomalies qui leur sembleraient être flagrantes dans le fonctionnement d'un hôpital ou les modifications à apporter pour que l'usager soit mieux reçu, mieux accompagné dans son hospitalisation ou sa prise en charge quotidienne. Quoi. Voilà, c'est notre travail. On est là pour être en partenariat de façon à améliorer aussi bien du côté établissement que du côté patient la qualité de vie des usagers. Malgré ces nombreuses avancées, ces droits peuvent paraître pour certains méconnus, malgré leurs 10 années d'existence. Des solutions sont donc à trouver pour optimiser la qualité de soins des patients. Alors, ce qu'il y a, on voit que les lois existent, elles sont donc inscrites un petit peu dans le marbre. Les hôpitaux, on peut l'entendre aujourd'hui, parce que c'est quand même le CHU qui est le moteur de cette manifestation. Donc, ils s'intéressent réellement à ces droits qui ont été donnés aux malades et puis aussi à leur diffusion. Maintenant, on met justement le doigt sur le grand problème à l'heure actuelle, c'est l'information qu'il la donne. C'est-à-dire, est-ce que c'est les patients, les associations de patients qui font un maximum pour les diffuser auprès des patients et des malades, ou est-ce que c'est aussi certains médecins, certains personnels administratifs des hôpitaux qui, à certains moments particuliers, les annoncent automatiquement également aux patients. En fait, le problème est là parce que si les choses se font quand on le sait, peu de monde le sait. Voilà. Donc, ce sont des droits, on ne les utilise pas tout le temps, donc on les utilise quand on en a besoin. Le problème, c'est qu'il faut les connaître. Actuellement, les professionnels, ils commencent à bien connaître la loi, les patients, les associations de patients également, parce qu'il y a aussi toute une formation à faire auprès des associations de patients. Maintenant, il faut savoir de quelle façon on fait pour que le grand public le sache. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas encore faire. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.